Chapitre 10. Gertrude et Jacques. Jacques était le frère de José. Comme lui, il était complètement blanc et il était né le premier jour. Mais il était né après José et par conséquent, dans le langage des canards, il était son frère cadet. De plus, depuis, après sa nomination, en tant que chef de la basse-cour, José avait interdit à tous les canards de toucher aux cannes, car il estimait qu'elles étaient toutes à lui. Mais quand José commença à s'intéresser à Gabriella et à ne s'intéresser qu'à elle, il pensa qu'il avait ses chances auprès des autres cannes. L'une d'elles avait attiré son regard. Elle était aussi belle et blanche que Gabriella, et elle était sa sœur. Il s'agissait de Gertrude. Mais quand José remarqua que Jacques, son frère, s'intéressait à Gertrude, il laissa tomber Gabriella pour lui prendre Gertrude. Jacques n'était pas d'accord et il lui dit « Tu as déjà Gabriella, alors pourquoi je ne pourrais pas avoir Gertrude ?»« Je te l'ai déjà dit, » lui répondit José, « toutes les cannes sont à moi. »« Je ne suis pas d'accord, » continua Jacques, « je ne vois pas pourquoi tu aurais le droit d'avoir toutes les cannes et les autres n'auraient le droit de rien. »« Cela suffit, » dit José, « ma patience a des limites. » Et tu les as déjà dépassés. Je suis le chef de la basse-cour et c'est moi qui décide. Et pourquoi, continua Jacques, ce serait toi, le chef de la basse-cour et pas moi? Tu oublies que j'ai débarrassé la basse-cour du renard. Continua José, et de plus, je suis ton frère aîné. De quelques heures seulement, continua Jacques. Je suis né aussitôt après toi. Cela suffit, dit José. Si tu ne lâches pas l'affaire, je te rentre dans les plumes. On verra qui est le chef. Eh bien, continua Jacques, je t'attends. Tu l'auras voulu. Et, en disant cela, il se jeta sur Jacques et lui administra une violente raclée. Des plumes volèrent dans tous les sens aux alentours de la mare. Jacques essaya de résister à José, mais il était moins fort que lui et il n'eut pas le dessus. Quand José eut fini de tabasser son frère, celui-ci était bien amoché, avec des plumes en moins et à moitié mort. Il regarda, un peu hagard, José partir avec Gertrude. Il avait fini par avoir les deux cannes. Et Jacques, qui avait perdu le combat, dut se résigner à retourner à la basse-cour la tête basse et les yeux hagards. Il avait perdu sa dignité et son honneur. C'est en arrivant en vue de la basse-cour qu'il eut la surprise de voir Gabriella, qui venait en se dandinant manger du grain dans la mangeoire. Surpris de la voir là et non à la mare, il lui demanda « Gabriella, tu n'es pas à la mare avec José ?»« Non, » lui répondit Gabriella, « cela fait un moment que je ne vais plus à la mare. » Et José ne s'en est même pas rendu compte. « Et toi, que fais-tu là ?» « Je me suis disputé avec José, » lui répondit Jacques. « Il m'a pris Gertrude. »« Ah !» s'exclama Gabriella. « C'est maintenant au tour de Gertrude. »« Eh bien, bon courage à elle. »« Bon, c'est pas tout, mais j'ai quelque chose à faire. »« À une autre fois. » Et, sous le regard du canard éberlué, elle s'en alla en se dandinant d'une patte à l'autre. Jacques la regarda s'en aller un moment. Puis il alla rejoindre Canella et Gisella, qui discutaient avec Canarie.